Et si on se faisait le défi qui pète? Ouais, si tu veux. Alors, déjà, jaune ou rouge? Rouge. Merci. Voici. Le défi qui pète, c'est tout simple. C'est ce que je fais depuis le début de l'année à tous mes invités. C'est tout simple. Je lance le chrono. T'es une flippette ou pas? Non, t'es pas une flippette. Ah putain, non, ça va exploser la gueule. Ah ouais, bah ouais. Oh, merde. Elle a compris le principe. Le record. Le record, il est, on se le dit, il est dur à battre. Ouais. Mais on va voir si tu fais-le et je vais te dire si t'as le record juste après. Non, mais c'est quoi en fait le principe? Faut que ça me Tu le gonfles et il faut qu'il pète le plus rapidement possible. Ah d'accord, ok. Mais qui l'avait fait ça? Ça fait mal à la bouche, hein? Non, ça fait pas. J'ai déjà fait. Ça fait rien. Ça surprend quand ça pète. Ça surprend, d'accord. Ouais, mais ça fait pas mal. Mais non, c'est de l'air. Ah ouais, le ralenti. T'es prêt? Ok. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Hey, y a Mounia derrière. Alors, on est dans la séquence du ballon qui pète. Non, du défi qui pète. Tout va bien. Alors, on en est où? Il est énorme, dis donc. On en est à 31 secondes. Mounia est toujours derrière, on se le dit. Mais il pètera jamais celui-là ou quoi? Mais il pète pas ton truc! Attends, la je vais t'aider. 49 secondes. Ah, putain, tu sais que j'ai failli. Ah, t'es aussi rouge que le ballon! Ok, donc 53 secondes. Bon, pour l'instant, t'es la dernière, on se le dit. C'est la troisième du top 3 des 3 années. En même temps, tu files un ballon qui est énorme. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la première, elle a pris mon stylo. Donc elle a fait 15 secondes. Ah, d'accord. La deuxième, elle a pris ses ongles. Elle a fait 6 secondes. Ah ouais, c'est des flippettes, quoi, en fait. Voilà. Non, mais c'était le défi qui pète. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il pète forcément par le ballon, tu vois. Ah, d'accord. Il y avait des astuces. Bah écoute, moi je suis téméraire, moi tu vois, j'étais prête à qu'il m'éplose dans la gueule. Même il aurait pu. Comme et quoi, il a fait du bruit, il a beaucoup résonné. Il serait très sacrément mal à la gueule. Ok, bah écoute, on va te placer pour l'instant dans le top 3, vu qu'il y en a que 3 qui l'ont fait en ce début d'année. En même temps, non, après il faut que tu fasses deux listes. Alors, une liste des dégonflés, rapides, ouais. Et une liste des gens qui, voilà, qui sont capables d'aller jusqu'au bout d'un truc, même en se faisant mal. Bon, on dit que tu l'as fini à 53 secondes. T'es la première à l'avoir fini en 53 secondes. Parce que là, il était à deux doigts de péter, on se le dit. Ah, bien sûr. Ok, bon, ça marche. Je l'ai gonflé jusqu'au bout, quoi. Ouais, on est d'accord. T'es au courant que le ballon, était, quand tu regardes le cadre là, il était plus gros que ta tête. Non, mais bien sûr. Toute petite. Impressionnant. Eh ben, écoute, top jingle, et puis on conclut l'émission. Top jingle. Bon, bah, excuse-moi de te dire, mais c'est la fin de l'émission. Oh non, c'est embêtant. Ouais. Écoute, je pense qu'on peut se rapprocher pour aller leur dire au revoir. Salut, c'est Sandrine Quétier et c'est Nico Saliegas. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Bienvenue dans 50 Minutes Inside. Alors, Jennifer Lopez, en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? On se rapproche? Ouais. Salut, ça va? Elle a marché sur mon micro. Ouais, j'en ai rien à faire. Putain, tu fais du 36? 35? Ouais, du 36. Ouais. Donc, ça va pas d'ici. Attends. Tes petits pieds. Ok. Eh ben écoute, merci d'être venu, en tout cas, dans l'émission du TV. Ça me fait plaisir. Ouais, tes cheveux prennent beaucoup de place. Hein. Ouais, je sais. Attends, fais voir, ça te fait plaisir. Et toi, et les tiens, ils prennent pas bah de place. Bah justement, fais voir ce que ça donnerait avec des cheveux. Ouais. Oh putain, on dirait, tu sais, les mecs là, à l'époque, là, qui se faisaient. Ils avaient juste une frange comme ça, là, qui habitaient en caravane. Bah, c'est la gaffe dans les années 90, quoi. Tu sais, les jojo. Ah ouais, non, c'est des petites figurines. Oh, mais qu'est-ce donc, bah bon, oui, enlève ça. Enlève ça. Ça fait bizarre d'avoir des cheveux. Bon, ouais. Écoute, merci d'être venu. À très bientôt. À très bientôt. Si j'ai besoin d'une co-animatrice, je t'appelle ou pas? Bien sûr, pas de problème. D'une humoriste, d'une sketchiste. Pour écrire des vannes pour l'émission? Ouais, des vraies vannes. Ouais. T'as la gueule. Non, ok. Bon, bah écoute, je pense que le mieux pour finir l'émission, on fait un double coup de boule à la caméra et ça va lancer le générique. D'accord, ok. T'es prêt ou pas? C'est moi qui commence? Non, on va le faire en même temps, un double coup de boule, c'est le principe des deux en même temps. 3, 2, 1.